voici comment devrait se comporter celui qui a développé des qualités de bonté et qui connaît la voie de la paix. Qu'il soit appliqué, honnête et droit, direct et doux dans ses paroles. Humble et sans prétention, satisfait et aisément contenté, qu'il demeure frugal, ni effronté, ni flatteur envers ceux qui le nourrissent. Qu'il soit paisible, maître de ses sens, naturellement discret, sans exigence, et qu'il ne fasse rien que les sages plus tard pourraient condamner, qu'il médite ainsi, prenant moi-même refuge dans le bonheur et dans la paix. Je souhaite que tous les êtres soient heureux et en paix. Que tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, les faibles comme les forts, tous, sans exception, les grands et les puissants, les moyens et les petits, visibles et invisibles, proches et lointains, nés et à naître, que tous les êtres soient heureux et en paix. Que nul ne trompe autrui ni ne méprise aucun être, quel qu'il soit. Que nul, par colère ou aversion, ne souhaite de mal à autrui. Comme une mère au péril de sa vie protège son enfant, son unique enfant. Ainsi doit-on ouvrir son cœur à l'infini, à tous les êtres vivants. Rayonner la bienveillance envers le monde entier. Ouvrir son cœur dans toutes les directions, en haut, en bas et tout autour, sans limite, libre de toute haine et de toute aversion. Que l'on soit assis, debout, en marche ou couché, tant que l'on est éveillé, on doit toujours être fidèle à ce souhait. C'est ce que l'on appelle demeurer dans un état divin, ici et maintenant. Sans se laisser piéger par des croyances erronées, celui qui a le cœur pur, qui voit la vérité ultime des choses et s'est libéré de tous les désirs sensoriels, ne reprendra plus jamais naissance dans ce monde. Om Mani Padme Hum, Hare 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 Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om 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 Mani Padme
Pour cette méditation, vous pouvez être allongé ou en position assise. Veillez simplement à ce que votre position soit confortable. Lorsque vous êtes installé, essayez de ne plus bouger. Fermez les yeux et soyez à l'écoute de votre respiration. Observez comment cela respire en vous. Sans jugement, juste un état d'écoute et d'attention au mouvement naturel de la vie qui s'exprime à travers votre souffle, à chaque inspiration et à chaque expiration. Vos yeux sont clos. Pensez un instant à la signification de metta. Évoquez mentalement ce que ce mot signifie. Il signifie l'amour par opposition à la haine, au ressentiment, à la malveillance, à l'impatience, à l'orgueil, à l'arrogance. Il signifie l'amour. Il se réfère à un profond sentiment de bonne volonté, d'empathie, de gentillesse, qui privilégie le bonheur et le bien-être des autres. Imaginez maintenant votre visage. Imaginez-le peut-être vu dans un miroir. Imaginez ou regardez votre visage rayonnant de bonheur. Visualisez-vous dans un état d'esprit joyeux. Regardez-vous ainsi. Une personne qui se sent heureuse ne peut pas se mettre en colère ni nourrir des pensées et des sentiments négatifs. Après vous être visualisé dans un état d'esprit joyeux, emplissez-vous de la pensée suivante. Puis-je être libre de toute hostilité? Libre de toute souffrance physique ou mentale. Puis-je vivre heureux? Puis-je être libre de toute hostilité? Libre de toute souffrance physique ou mentale. Puis-je vivre heureux? Baignez-vous dans la force d'amour de cette pensée positive et remplissez-vous comme un réceptacle de la force d'amour de cette
pensée positive. Remplissez-vous de cela comme si vous y étiez prêt à déborder dans toutes les directions. Faites cela. Et puis, il y a peut-être un personnage spirituel qui est important pour vous, que vous aimez, qui vous inspire. Par exemple, ce peut être Bouddha, ou bien ce peut être Jésus ou la Vierge Marie, si cela correspond à votre sensibilité. Ce peut être un sage, un autre maître spirituel. Et si cela ne vous correspond pas, ce peut être une personne qui symbolise pour vous la bonté et l'amour inconditionnel. Prenez le temps de choisir cet être, cette personne. S'il y en a plusieurs qui vous viennent à l'esprit, choisissez-en un. Vous choisirez une autre personne lors d'une prochaine pratique. Alors visualisez cette personne. Pensez-y, voyez-la, invoquez-la simplement. Amenez-la dans votre esprit du mieux que vous pouvez. Imaginez qu'à cet instant vous êtes assis en sa présence, que cet être vous regarde. Et recevez sa bénédiction dans votre cœur. Sentez votre cœur ouvert et doux. Sentez votre cœur se remplir de douceur, ouvert et disponible. Et depuis ce cœur, souhaitez-vous à vous-même d'être bien, d'être heureux, d'être en paix. Pouvez-vous vous dire des phrases telles que « Puissais-je être bien ?»« Puissais-je être heureux ?» Puissais-je être en paix? Souhaitez-vous cela? Puissais-je être bien? Puissais-je être heureux? Puissais-je être en paix? Et répétez encore une fois ces phrases, encore et encore. Puissais-je être bien? Puissais-je être heureux? Puissais-je être en paix? Vous pouvez être aussi plus créatif. Utilisez des phrases qui vous parlent davantage, modifiez pour qu'elles aient plus de signification pour vous. Par exemple, puissais-je être libéré de la douleur? Puissais-je être libéré de tout souci, de tout préjudice? Puissais-je être libéré de la souffrance? Choisissez des phrases simples, juste deux ou trois phrases. Répétez-les. Puissais-je être bien? Puissais-je être heureux?
Puissais-je être en paix? Puissais-je être en sécurité? Vous pouvez aussi ramener en vous un acte de bonté que vous avez fait ou dont vous avez bénéficié. Nous avons tous en nous la bonté, une bonté fondamentale, là, dans notre cœur. Et à partir de cette bonté fondamentale qui est là en vous, souhaitez-vous d'être bien, d'être heureux et d'être en paix à nouveau. Puissais-je être bien? Puissais-je être heureux? Puissais-je être en paix? Si vous souhaitez cela à vous-même est difficile, si vous donnez de la bonté à vous-même est difficile, imaginez un enfant. Et cet enfant, c'est vous. Voyez-le, nommez-le. Et souhaitez alors à cet enfant d'être bien, d'être heureux et d'être en paix. Dites-lui, sois bien. Sois heureux. Sois en paix. Amenez maintenant dans votre esprit une personne vivante. En effet, ces intentions que nous formulons sont plutôt destinées aux personnes vivantes. Amenez une personne avec qui vous avez un fort lien, quelqu'un qui compte pour vous. Un ami très cher, une personne proche, une amie très chère. Et souhaitez à cette personne d'être bien, d'être heureuse et d'être en paix. Dites-lui, sois bien, sois heureuse. Sois en paix. Imaginez cette personne assise avec vous, près de vous. Nommez-la, pensez à son prénom. Visualisez-la, ressentez-la près de vous. Et souhaitez-lui d'être bien, d'être heureuse et d'être en paix. Dites-lui à nouveau. Sois bien. Sois heureux ou heureuse. Sois en paix. Répétez encore cela à cette personne. Répétez encore et encore. Si plusieurs personnes vous viennent à l'esprit, choisissez-en juste une. Vous choisirez une autre personne lors d'une prochaine pratique. Répétez-lui à nouveau cela. Sois bien. Sois heureux ou heureuse. Sois en paix. Puisses-tu être bien? Puisses-tu être heureux? Puisses-tu être en paix? Et laissez cette personne partir maintenant.
Amenez maintenant dans votre esprit une personne neutre, ni que vous aimez, ni que vous n'aimez pas, comme une personne que vous croiseriez dans la rue, que vous connaissez, mais qui vous laisse une impression neutre, pour laquelle vous n'avez pas d'attachement particulier, mais pas d'animosité non plus. Neutre. Amenez cette personne . Imaginez cette personne assise avec vous, sont-elles là près de vous. Et on peut souhaiter à cette personne d'être bien, d'être heureuse, d'être en paix. Dites-lui, puissiez-vous être bien. Puissiez-vous être heureuse. Puissiez-vous être en paix. Ne vous inquiétez pas si vous ne ressentez pas une connexion très forte avec cette personne. Faites confiance à cette intention que vous formulez, que vous projetez vers elle. C'est parfait comme ça. Souhaitez à nouveau à cette personne d'être bien, d'être heureuse et d'être en paix. Puissiez-vous être bien. Puissiez-vous être heureuse. Puissiez-vous être en paix. Répétez encore cela à cette personne. Et laissez cette personne partir maintenant. Invitez maintenant dans votre pratique une personne que vous n'appréciez pas, qui vous pose souci, qui vous agace. Mais soyez gentil avec vous-même, ne choisissez pas pour votre première séance une personne qui est très désagréable ou franchement mauvaise avec vous. Ou avec qui vous avez de très mauvaises relations, soyez gentil avec vous-même. Commençons au plus simple aujourd'hui, choisissez une personne qui vous irrite un peu, qui vous agace, avec qui vous n'avez pas d'atome crochu, mais sans plus, restez doux avec vous. Imaginez cette personne près de vous. Et on peut souhaiter à cette personne d'être bien, d'être heureuse et d'être en paix. Dites-lui, malgré ce qui vous oppose, puissiez-vous être bien. Puissiez-vous être heureuse. Puissiez-vous être en paix. Puissiez-vous être bien. Puissiez-vous être heureux ou heureuse. Puissiez-vous être en paix. Faites confiance à cette intention que vous formulez, celle de souhaiter du bien à quelqu'un. Répétez encore cela. Puissiez-vous être bien. Puissiez-vous être heureux ou heureuse. Puissiez-vous être en paix. Si vous avez des difficultés à souhaiter cela à cette personne, imaginez-la comme un enfant. Nommez cet enfant. Et souhaitez à cet enfant d'être bien, d'être heureux,
et d'être en paix. Répétez-lui cela. Sois bien. Sois heureux. Sois en paix. Et laissez partir cette personne. Nous allons élargir cette pensée, ce souhait de bien-être, de joie et de paix à tous les êtres vivants, tous les êtres qui respirent, toutes les créatures masculines ou féminines, mâles ou femelles, humains ou non humains, nés ou à naître, que nous aimons ou que nous n'apprécions pas, que ces êtres soient visibles ou minuscules. Nous formulons le souhait que tous ces êtres ou créatures soient bien, qu'ils soient heureux, qu'ils soient en paix, puissiez-vous être bien, puissiez-vous être heureux. Puissiez-vous être en paix. Soyez heureux. Soyez bien. Soyez en paix. Si dans cette pratique, il a été difficile de nous souhaiter à nous-mêmes d'être bien, d'être heureux et en paix, alors incluons-nous maintenant dans tous ces êtres à ce moment de la pratique. Nous en faisons partie. Et de la même façon, s'il a été difficile de formuler vos vœux de bien-être, de joie et de paix vers une personne avec qui vous avez des relations difficiles, vous pouvez l'inclure à ce moment de la pratique, l'inclure avec tous les êtres. Que tous les êtres vivants soient bien. Que tous les êtres vivants soient heureux. Que tous les êtres vivants soient en paix. Souhaitez cela en même temps que moi. Que tous les êtres vivants soient bien. Que tous les êtres vivants soient heureux. Que tous les êtres vivants soient en paix. Que tous les êtres vivants soient bien. Que tous les êtres vivants soient heureux. Que tous les êtres vivants soient en paix. Et laissez ce souhait d'amour inconditionnel irradier de vous, rayonner à l'extérieur de vous, sortir, se diriger dans toutes les directions, comme le dit le texte qui a été lu. Que tous les êtres situés devant vous, près, loin, très très loin, soient bien, soient heureux, soient en paix. Puissiez-vous être bien. Puissiez-vous être heureux. Puissiez-vous être en paix. Imaginez tous les êtres à votre droite, près, très loin, au-delà des continents, que tous ces êtres soient bien, soient heureux,
et sois en paix. Puissiez-vous être bien. Puissiez-vous être heureux. Puissiez-vous être en paix. Imaginez tous les êtres derrière vous, près, loin, très loin. Que tous ces êtres soient bien. Que tous ces êtres soient heureux. Que tous ces êtres soient en paix. Puissiez-vous être bien. Puissiez-vous être heureux. Puissiez-vous être en paix. Imaginez tous les êtres à votre gauche, près, loin, très très loin, au-delà des continents. Que tous ces êtres soient bien. Sois heureux et sois en paix. Puissiez-vous être bien. Puissiez-vous être heureux. Puissiez-vous être en paix. Imaginez tous les êtres au-dessus de vous, les oiseaux, les personnes, peut-être dans des avions qui passent, peut-être. Imaginez que tous ces êtres soient bien, soient heureux et soient en paix. De la même façon, imaginez les êtres en dessous de vous, les petits insectes dans la terre, d'autres petits êtres. Que tous ces êtres soient bien. Que tous ces êtres soient heureux. Que tous ces êtres soient en paix. Et laissez cela maintenant. Revenez à vous-même. Souhaitez-vous à nouveau d'être bien, d'être heureux et d'être en paix. Puissais-je être bien? Puissais-je être heureux ou heureuse? Puissais-je être en paix? Répétez encore et encore. Puissais-je être bien? Puissais-je être heureux ou heureuse? Puissais-je être en paix? Et laissez cette intention irradier à nouveau de vous, aller vers tous les êtres. Sans exception, tous les êtres proches, lointains, que tous les êtres soient bien. Que tous les êtres soient heureux. Que tous les êtres soient en paix. Méditez cela quelques instants.
Et laissez maintenant cette pratique se terminer. Revenez à la perception de votre souffle. Et invitez la gentillesse et la bonté à rester avec vous.